Ciao, c'est GTA 5. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler des prochains trucs qui vont qui vont pas sortir mais qui vont se faire sur Rainbow Six Siege. Donc il y aura des modifications. J'ai appris ça hier, donc merde, je me suis fait mute. Donc il y a eu des modifications sur les armes, sur différents agents. Il y a eu des modifications sur Capcan, sur Bleed. Et sur les armes, il y a des trucs flagrants, c'est sur l'arme de Kavera et sur l'arme de Blackbeard. Donc franchement, ça a beaucoup changé. Ah bah ça, déjà, ça commence bien. Donc, on va commencer par le premier que j'ai vu, donc c'est Capcan. Capcan, ses pièges vont changer. Maintenant, il va avoir 5 pièges, vous allez me dire, wow, super. Et en plus, ces pièges ne font plus de lumière, de laser, donc il n'y aura plus les lasers. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ouais, vas-y, on va vous trouver l'exclure. Donc ils vont plus faire de trucs. Par contre, petit inconvénient, comment vous expliquer? Ils peuvent plus buter en un coup. Donc voilà quoi. Oh. Ok. Ils peuvent plus buter en un coup, ils feront 40 des dégâts. Par contre, c'est bizarre que je gagne pas de points quand je fais la masse. Oh. Donc ce sera plus ouais, donc ça pourra plus one shot, donc on sera obligé d'attendre pour voilà quoi. Ça fera 40 de dégâts, on pourra pas faire plus. Voilà, tu meurs. Donc ensuite qu'est-ce qui va se passer d'autre? Il y a aussi des modifications sur Bleed. Donc Bleed, ça va être très simple, c'est des modifications qui sont assez bien, genre comme c'est un perso pour rush sur les ennemis, bah on pourra rush maintenant. En fait, ça va faire une sorte de garde sur le bouclier et ça fait que on pourra, comment vous expliquer, bah on pourra charger sur l'ennemi. En fait, ça va être pas mal ça. Ouais, donc on pourra charger sur l'ennemi. Et ensuite il y aura des modifications sur les armes, genre sur l'arme de Kavera, l'arme elle va plus bouger du tout. Le pistolet de Kavera, il va plus bouger, mais franchement, même pas un millimètre, il bougera même plus. Et ensuite, il y a aussi, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a l'arme de Blackbeard. Par contre, là, faut avouer, elle est pétée. L'arme, elle est modifiée, mais elle est archi pétée. Quand je vous dis pétée, c'est waouh. Il n'y a pas plus pire. L'arme, elle va lever, on sait pas comment. Elle va lever à fond en fait. Donc ça va être vraiment pourri. Ah, je peux pas passer. Attends, on peut pas le détruire. Non, on peut pas. Donc l'arme, elle va être archi pétée. C'est ça qui est vraiment dommage. Sécurisez la pièce. Protégez le conteneur radioactif. Reprenez la sécurisation. Oui, la full team. C'est pour ça que je parlais pas. Là, je suis en vidéo, j'ai fait une petite full team. Donc l'arme, elle va être archi pétée. L'arme, sans vous mentir, elle va lever de gueudin. Donc c'est ça qui va vraiment être dommage. L'arme, elle va lever, mais trop énormément. En fait, si vous voyez, si vous voulez que vous tirez en rafale, l'arme, elle va décaler en haut, carrément tout en haut et aussi à gauche. Donc c'est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ensuite, les armes, l'arme de Capcan, elle est largement modifiée. Elle bouge même plus quand on tire, vous imaginez. Et franchement, c'est bien, ils ont apporté quelques modifications. Ils essayent aussi de, comment dire, de améliorer les maps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais franchement, les pièges non létales de Capcan, bah franchement, déjà qu'on en a 5, ça va être le bordel maintenant. Parce que déjà, regardez, il y a quoi comme piège en tout? Il y a les pièges de Ella que j'utilise actuellement, les pièges de Lésion, les pièges de Frost, les pièges de Capcan. Il y a encore, si je dis pas de conneries, il y a... Non, je crois que c'est tout. Vous imaginez, il y a déjà 4 défenseurs qui peuvent faire des pièges. Et il y a qui peut les contrer seulement? Bah Twitch, mais vraiment Twitch, faut pas se faire péter. Les Thatcher, faut pas mourir. Et ensuite, voilà quoi. IQ, elle peut les détecter, mais bon, pas tous. Par exemple, imaginez là, moi et là, comment elle fait pour le détruire? Bah elle peut pas. Donc voilà. Et en plus, le Twitch, imaginez là, on arrive. On voit y a un goût, on va pas utiliser son drone tout de suite. Bah, la capacité de IQ. Parce que imaginez, il y a un Kumi, il se ramène ou quoi. Donc vraiment, ça va être très très dur quoi, en quelque sorte, maintenant. Comme il y a des pièges de Capcan, il y en a plus. Franchement,
On peut carrément faire tout le monde en défense, genre tout le monde dans l'objectif et faire une grosse forteresse. Genre on met des pièges de là à un endroit, les pièges de l'autre à un autre endroit, les pièges, vous voyez, franchement, ça va être n'importe quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si c'est. Ouais, par contre, il tombe comme des petits pains. Si c'est une petite bonne nouvelle pour vous ou pas du tout, parce que si vous jouez Blackbeard, maintenant Blackbeard faut jouer au sniper. Parce que franchement, il y a. Ouais, il a modifié sa race. Ils l'ont modifié, ils sont pas capables. C'est les couilles. Ah, je croyais avoir un mec. Ouais. Ouais, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. On se dit à la prochaine, salut.